Pourtant, la paix et l'harmonie règnent entre tous les habitants de la terre. Un jour, Koulou, tortue, prit le tam-tam d'appel. J'appelle tous les fils et quand. Venez, venez vite, car le temps presse. C'est ma liste de passer. Venez, venez vite, venez tous, que tous ceux qui se réclament de la pleine ou de tomber approchent, qu'ils viennent s'abreuver dans la voie millénaire de leur source. Ce jour-là, ils arrivaient de partout, des champs, des forêts, des airs, des rivières, du grand fleuve et même du village. Koulou Tortue prit la parole. Fils de mon père, Mbolo! Mbolo! Je vous salue tous! Si je vous ai appelé ici aujourd'hui, c'est pour vous dire de faire quelque chose! Mais pourquoi? La forêt nous envahit. Le vent nous emporte. Le soleil nous brûle. Les nuits deviennent de plus en plus noires. Je souhaiterais que nous allions voir Mufungu, le détenteur de la sagesse et de l'intelligence. Bref, faisons tout ce qu'il nous faut pour être maître de notre environnement. Dès le premier chant du coq, retrouvons-nous ici et tous. Le lendemain matin, à l'heure indiquée, seul un tomba, le mouton et l'homme Morbinam étaient au rendez-vous. Ils attendirent les autres en vain. Et au bout du compte, il partit. Quelques lunes plus tard, un tomba, le mouton prit la route. C'était pour aller rendre visite à l'homme Morbina. Depuis leur retour de chez Mufungu, ils ne s'étaient pas revus. Il y allait sautant, sautillant, lorsque... avec toi.
pas avant la rivière. Je vous salue, fils de mon père. Où allez-vous donc ici? Nous allons chez notre ami Morbihan Lombe, de l'autre côté de la rivière. Il nous attend. Si votre ami Morbihan pouvait accueillir plus de deux visiteurs, je viendrai volontiers avec vous. Laver. À la vue de ses frères, le chat arrêta de se laver. Où allez-vous donc si vite, mes frères? Nous allons chez notre ami Morbihan Lombe. Il nous a invités. Eh oui, il paraît qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Quoi? Beaucoup de choses? Oui. On dit que quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Ah, bien sûr. Alors, si votre ami pouvait accueillir plus de trois visiteurs, eh bien, je viendrai avec vous. Il pourra accueillir tous ceux qui seront avec moi. Allons-y. Vous pourrez apprendre plein de choses. Comme ça. Et Singa, n'achevant même pas son bain, les rejoignit. Ensemble, ils marchèrent encore et encore. Ils atteignirent le village de Morbihan au coucher du soleil. Le village de Morbihan était en vue quand un tomba s'arrêta. Frère à quatre pattes, avant que nous n'atteignions le village de Morbihan, je voudrais que chacun d'entre nous se trouve un nom. Ça, c'est très intéressant. Ah oui, ça fait une bonne idée. Thank you.
nommerai Arc-en-Ciel. Oh, Arc-en-Ciel. Eh oui, Arc-en-Ciel. 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 Je suis lune de miel. Ça fait un joli nom. Ntomba le mouton refusa toutes ses propositions à la grande surprise de ses amis, car il n'avait jamais dit non. Ils reprirent la marche et atteignirent le village de Morbihan à la tombée de la nuit. Non, ne t'inquiète pas mon frère, ce soir, tu dormiras.
leur gaz pour le repas du soir. Également que tu viennes me rendre visite dans mon village.
Nos amis amour vraiment. Hein? Et puis, tu n'as pas manqué de nous remercier pour ce merveilleux séjour. Hein? Peut-être que le temps le temps. Je viendrai passer quelques jours avec toi. Le lendemain matin, avant le premier chant du corps, Morbinam veut réveiller Ndomba et ses amis. Il leur dit que sa femme devait leur apporter un repas de revoir et qu'ils partiraient plutôt dans l'après-midi. Ce fut la matinée. La femme de Morbinam apportait le repas du matin. Comme le premier jour et le jour suivant, Ndomba demandait à qui appartenait la nourriture. Comme le premier jour et le jour suivant, la nourriture appartenait toujours aux étrangers. Comme le premier jour et le jour suivant, Ndomba s'est mis à manger sous le regard envieux de ses amis. Alors, un jour, la souris, n'en pouvant plus de cette vie, sortit de la cage. Elle se disait que celui qui a une bouche ne meurt pas. Il lui fallait parler. Demander à la femme de Morbinam juste un petit morceau. Et d'où sortit donc de la cage sans faire de bruit. Edou rentra dans la cuisine sans faire de bruit pour ne pas éveiller l'attention des autres restés dans la cage d'en face. Edou fut surprise de ne voir personne dans la cuisine. Elle appela à voix basse, dit quelques bruits légers, personne ne se manifesta. Et sans plus attendre, Edou se mit à chercher. Dans les marmites, rien. Dans les assiettes, rien. Dans le grenier, rien. Dans le panier au coin de la cage, rien. Edou, d'un mouvement, grimpa donc dans la glaise suspendue au-dessus du feu. Et là, elle découvrit une marmite pleine d'huile de palme. Edou regarda à gauche, regarda à droite. Elle se dit qu'elle mangeait juste un peu, mais elle avala toute l'huile de palme et rejoignit ses frères après s'être nettoyé la bouche. Quelque temps après, tranquille. Je dis, hein, vous me regardez.
Je vous ai dit que le bonheur n'est pas loin. Il est lui-même avec nous. Il n'est pas loin. Puisqu'il ne s'agit que du bon fruit. Elle est loin d'être un vilain mot, une qualité si on sait s'en servir.